Salut Nono. Salut Akram. Tu es venu me voir aujourd'hui avec une voiture un peu spéciale. Eh ouais, et regardez, exactement. Une voiture qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de voir. Exactement. Exactement. On voit pas beaucoup, il y a pas mal de monde qui se retourne dans la rue. Ah bah tu m'étonnes. Je vais la montrer au tonton quoi. Exactement, même déjà vu la couleur. En plus, ce que je te disais un peu, c'est que c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Parce que je viens d'acquérir une nouvelle voiture. Et on va aller la chercher tous les deux. Mais, c'est parfait. Pour faire un peu de teasing, je ne divulguerai pas ce que sera ma voiture aujourd'hui. Enfin si, je la montrerai, mais je ne ferai pas de tour. Donc comme ça au moins, ça fera deux vidéos bien séparées. Parce que je préfère que les gens se focalisent sur ta voiture et se focalisent sur la mienne une fois que je l'aurai présentée. Mais ça va nous donner, l'occasion d'être en voiture pendant 10-15 minutes et parler un peu de la voiture, ce qui est important. Voilà. Donc je vais montrer l'extérieur déjà pour commencer. La couleur très flashy. Est-ce que tu sais le nom de cette couleur? C'est du vert krypton. Krypton green. D'accord. Donc, il y en a très très peu. Il y en a eu 4 en vert de cette couleur en France. Ouais. Donc en conduite à gauche. Ouais. Parce que les Lotus, c'est souvent, on voit souvent des conduites à droite. D'accord. Qui viennent d'Angleterre. Bien sûr. Là-bas, les mecs en Angleterre, c'est un peu considéré comme une Clio, donc c'est souvent des merguez, les Lotus anglaises. Mais celle-ci a l'air d'être donc, bien rangée en tout cas. Les conduites à gauche d'origine. D'accord. Tu l'as mal de trucs qui sont pas d'origine. Tu l'as acheté neuve? Non, je l'ai acheté il y a pas longtemps. D'accord. Depuis, combien t'as payé ça, si c'est super discret? 8 mois, je l'ai payé 36. 36, d'accord. Et elle est de 2005. D'accord. Au niveau de l'assurance, t'es comment toi? Tu te situes comment? Alors, l'assurance, c'est vraiment pas mal en fait. En fait, il y a de tout, parce que vu que la bagnole n'est pas connue, les assureurs ne savent pas trop ce que c'est. Mm-hmm. Donc ça va de 3000 à l'année jusqu'à 600 à l'année. Et donc là, j'ai du 800 à l'année, et qui est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, en effet. Je vais faire déjà un petit tour rapide de l'extérieur. Et après, tu nous parleras un peu de ce que tu as modifié dessus. L'extérieur, on voit qu'elle est un peu là pour le circuit, accrochée dedans. Ouais, tu fais du circuit avec? Ouais, c'est sûr. C'est plaisant circuit, sur circuit, hein. C'est fait pour ça. Donc c'est pas ta voiture de tous les jours. C'est pas mon délire, non, pas du tout. D'accord. C'est pas complètement démoniaque comme moteur, on y reviendra, mais sur circuit, c'est la tenue de route, c'est le freinage. Et c'est réputé pour ça. Les vitesses de passage en courbe qui sont délirantes. Ouais. Tu pourrais pas tous les jours dans Paris? Je le fais, je vais bosser une fois par semaine avec. Ouais. Ça reste agréable, mais tous les jours. Tes collègues ont le seum ou ça va? Ça va, ils aiment bien. Ils essayent de rentrer dedans, il y en a pas mal qui n'arrivent pas à rentrer dedans. Ah bah moi je vais rentrer, mais on verra comment, mais bon. Ouais, non mais c'est sortir le plus dur, tu vas voir. Ouais, non, je sais, moi j'en ai essayé une. Alors j'ai jamais conduit de Lotus, j'en ai jamais eu une, mais j'ai failli en acheter une à un moment donné. Alors je crois que c'était une Exige S, si je dis pas de conneries. Elle était violette. Et j'avais essayé ça il y a quand même vraiment pas mal d'années. Et au final, à l'époque, c'était pas comme maintenant où je pouvais me permettre d'avoir plusieurs voitures en même temps. Ouais. À l'époque, j'avais vraiment une voiture. C'est vraiment une troisième voiture. Voilà, moi j'avais vraiment genre une voiture, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est impossible. Tu peux pas avoir qu'une seule voiture, et surtout comme ça. Et rouler tous les jours en plus dans Paris, etc. C'est vraiment l'enfer. Qu'est-ce que tu as fait niveau extérieur dessus? Alors, niveau extérieur, il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm. L'extérieur, c'est plutôt d'origine. D'accord. Tout est d'origine, c'est plutôt l'intérieur, enfin le moteur. D'accord. Donc il y a l'admission. Est-ce qu'on peut voir un peu le moteur déjà pour commencer? Le moteur, tu vois, c'est pas transcendant. Hein, c'est un... Non, je suis curieux de voir ça en tout cas. C'est de l'origine Toyota. Ouais. Qui est lui-même de l'origine Yamaha. D'accord. Donc, c'est un 4 cylindres. Ouais. C'est un petit 4 cylindres 1,8 litre. Ok. Donc là, on voit l'admission dynamique ici. D'accord. Et en gros, changement aussi, c'est un carter cloisonné. D'accord, qu'est-ce que c'est? Vu les vitesses de passage en courbe qu'elle prend, d'accord. T'as toute, avec la force centrifuge, t'as toute l'huile qui va d'un côté du moteur. D'accord. Et donc là, t'as des cloisons pour vraiment garder l'huile vers la pompe à huile. D'accord, très bien. Combien ça pèse? Ah, c'est ça tout l'intérêt, c'est exactement 900 kg. 900 kg pour combien de chevaux, pour le rappeler? 192 chevaux. Donc c'est un rapport poids-puissance qui est c'est dramatique. Pas c'est pas mal du tout. Ça c'est très bien. Bon, c'est pas mal du tout. Ah, le coffre, tu mets rien du tout. Et même il y a une petite batterie légère là, qui prend beaucoup moins de place. Très bien. Tu mets à peine Albert dedans. Mais, ou si ce n'est que même le chat il passe pas. Bande d'origine. C'est ça. Non, les bandes elles ont été remises après. Ouais. D'accord, très bien. Ça, les bandes, c'est mis après, l'échappement aussi. Il y a un petit échappement dessus. Ouais. Bah, de toute façon, ça, on va entendre tout ça, puisqu'on a un peu de. Pas de route à faire, mais on a un petit tour à faire dedans. Donc, Carrosserie, c'est de la fibre. Oui, bah oui, ça se voit ici. Ouais. Ça se voit ici. Donc, avec les inconvénients de la fibre, c'est que tu mets un truc dans le coffre, ça tape, ça te fait des petits éclats. D'accord, ok. On en est à ce point-là, quoi. D'accord. Je vois le délire. Bon, faut faire gaffe à ça. Sinon, très propre.
intérieurement, extérieurement. Intérieur, j'ai pas encore vu, mais bon, d'ici, elle a l'air nickel. Des suspensions paramétrables aussi qui sont pas d'origine. Ouais. Elle a des toe-link, les toe-link renforcés, donc des supports de bras arrière. Ouais. Qui sont renforcés, éviter que ça casse sur piste. C'est une des fragilités des Lotus. D'accord. Mais sinon, non, elle est nickel. C'est ok, d'accord. Bonheur absolu. Bonheur absolu, et tu m'étonnes, je vais leur montrer un peu de. Comme ça, qu'on voit un peu la totalité de la voiture, et après on pourra aller. On aperçoit ma Smart de l'enfer qui est là-bas. Où j'ai perdu. Ben moi, c'est tous les jours, je roule que là-dedans maintenant. Donc, c'est fini, ça suffit maintenant les commandes. Très bien, on va commencer à aller. On va prendre la route. Et... Donc j'ai réussi à rentrer dedans. Et comme t'as dit une phrase, c'est faut bien s'entendre parce que là on se colle. Ah, faut. C'est parti. En bon terme, allez, tu m'étonnes. Ah ouais, d'accord. Je vois le délire. Donc bon, bah moi je suis posé là-dedans, on est là. Tu peux pas t'enfuir, tu peux pas te casser. Ah, je peux que pas me barrer là. Ah, on est là, on est posé ici. On va aller vers les Invalides, si tu vois où c'est. Ou tu veux que je te guide? Ah, t'as plus l'habitude que moi. Je vais te guider, alors première à gauche. Donc je fais un petit tour rapide. Donc l'intérieur, c'est quoi? Là c'est d'Alcantara, ouais. Ici de l'Alcantara. Jeune Alcantara tout doux. Voilà. Très bien. Le petit volant, ça se coupe. Par contre, qu'est-ce que ça se coupe? Ah, il n'y a pas de suspension. Il n'y a pas d'isolation. D'accord. Ça fait du bruit. Manivelle pour les fenêtres. Là, c'est la première. C'est à gauche. Il n'y a pas de clim. Bah oui, parce que ça bouffe de la puissance et du poids. Clim, bah exactement. Ça fait une quinzaine de kilos la clim. J'ai la chaleur du moteur qui me tape derrière, c'est très bien. Rien vu là. Là on prend le pont s'il te plaît, tout droit. Donc c'est du carbone je pense, hein. c'est du vrai carbone. Non, c'est du faux carbone. C'est du faux carbone, ouais. D'accord, très bien. C'est du faux carbone, c'est du plastoc normalement. Ok. Donc j'ai un petit revêtement carbone pour aller bien. Ouais. Et l'intérieur, non, il y a juste le volant du coup qui est pas d'origine. Ouais. J'ai mis vraiment un petit volant et qui se rapproche de moi avec des cales. D'accord. Et le but du jeu, c'est pouvoir faire du talon pointe. D'accord. Donc pour le talon pointe, je suis un peu grand, il faut un peu de place sur le volant. Ok, exactement. D'accord, très bien. Donc la bagnole, bien sûr, tu peux enlever le toit, t'as des vis. Ouais. T'as des vis tout autour, t'enlèves le toit, c'est plaisant là. L'été, c'est agréable. L'été, ça doit être pas mal, ouais. L'été, ça doit être pas mal du tout. J'aime beaucoup le volant. Ah, il est agréable. Le volant retourné, c'est pas mal. Faut le changer régulièrement, ça s'use, mais tu m'étonnes. Pas mal du tout. Non, j'aime beaucoup le volant, l'intérieur est très cool. Bah, c'est spartiate quoi, t'as de l'alu. Exactement, c'est vraiment l'extincteur qui est là. T'es posé sur le châssis, t'as l'extincteur, là, tu te rends compte qu'il peut se passer des choses dans cette voiture. Il peut se passer des choses reloues. La manivelle, et puis voilà. Donc non, pas mal du tout. En fait, t'es assis dans le châssis quoi, le châssis, assis c'est dans le châssis baignoire en alu. Là, je suis là. En plus, j'ai ma grosse doudoune des tentes qui commence à cailler. On va prendre tout droit là, s'il te plaît. Comme il caille un peu, j'ai sorti ma doudoune, grosse mauvaise idée. Tu sais, j'ai cette impression d'être bloqué dans une couette, tu sais, emmitouflé et posé comme ça, je peux plus bouger. Là, j'ai mis la ceinture parce qu'il y a des harnais, mais là, les harnais, je les aurais pas assumés, c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, ce qui est cool, c'est que tu peux au moins varier entre les harnais et puis. Sur circuit, le harnais, c'est obligatoire. Tu m'étonnes. Au niveau de la radio, est-ce que c'était d'origine? Tu l'as fait refaire ou... Non, bah, d'origine, il y avait un truc, un vieux truc. Donc j'ai rajouté un petit poste alpine pour avoir une connexion iPhone. Ouais, quand même, quoi. Qui est quand même. Juste le minimum, mais le son, ça vaut pas grand chose. D'accord, ouais, ça vaut pas grand chose. C'est vraiment une voiture que tu prends vraiment pour. Soit faire du circuit, soit pour vraiment t'amuser, etc. Ouais, c'est des petites routes sympas pour se faire plaisir. D'accord. Passer une journée de boulot de merde, tu vas faire un petit tour, quoi. Question indiscrète, mais tu n'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je bosse dans l'informatique. D'accord, très bien. Je suis ingénieur dans l'informatique. Eh ben, dis donc, tous les ingénieurs info que j'ai rencontrés, ils ont bien cartonné en ce moment, ouais. Mais c'est cool. Ah, mais il y en a pas mal qui roulent avec le C4 Picasso et puis les enfants, quoi. Ouais, bien sûr. Ils font ça aussi, quoi. Mais toi, tu en as qu'une des voitures ou tu... Non. Ah, bah, j'ai un SUV aussi. Ouais. J'ai un SUV pour la famille. Là, tu peux prendre. Non, tu peux aller tout droit. T'as un SUV. Qu'est-ce que c'est
comme SUV, tu veux nous en Mazda, parler ou... Mazda CX-5. D'accord. Et franchement, très très bonne surprise. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Avant, je sortais d'une BMW. D'accord. Et les finitions Mazda, c'est vraiment très proche, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est hyper bien fait et niveau plaisir de conduire pour un SUV, c'est vraiment pas d'accord, mal. D'accord, très bien. Et en bagnole de tous les jours? C'est ma bagnole de tous les jours, c'est la d'accord. Mazda. D'accord, très bien. Ok. On va faire entendre un peu le bruit maintenant, une fois qu'on aura un peu de... Il faudrait même trouver un petit endroit pour faire une accélération, parce que ce moteur, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 6000 tours, il est plutôt classique, il est plutôt neutre. Ouais. Il y a un déphasage d'abracam à 6000 tours, d'accord. Ça passe sur des grosses cams, et là ça change complètement, il y a un bruit démoniaque. D'accord. Et on sent une poussée à 6000 tours, et ça va jusqu'à plus de 8000 tours. Ok. Donc c'est presque un moteur de bécane. C'est ça. Et ça c'est top. Donc ça consomme pas trop avant 6000 tours. Ça consomme ça combien ça consomme moins de 10 litres. Moins de 10 litres si je roule cool en dessous des 6000 tours, et après ouais. sur circuit ça se compte même plus. Ouais, bien sûr, bah de toute façon après c'est normal. Donc très bien, la boîte est courte ou... La boîte, elle est d'origine, elle est un petit peu trop longue d'origine. Ouais. Donc il y a pas mal de modifs qui se font avec des boîtes courtes, mais bon, j'hésite trois à le faire, je verrai. Parce là, que les boîtes courtes, ouais, ça fait quand même pas mal de boulot. Ouais. Ça fait pas mal de boulot, il y en a pas facile pour 6000 euros. 6000 euros, d'accord, ouais. Par rapport au prix de la bagnole, ça fait quand même pas mal, et la revente, on gagne pas forcément. Exactement. Sachant que la cote, elle est en train de remonter de cette voiture, donc faut éviter de la casser. Tu peux aller à gauche, s'il te plaît. Et donc, ouais, ça remonte là pour l'instant. Ouais, la cote, là, elle est en train de remonter doucement. D'accord. Donc, en tout cas, elle est au mieux, elle est stable. Au pire, elle est stable, mais ça commence à monter. Ouais. Surtout pour les origines françaises conduites à gauche. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Bah, on va se trouver un petit coin sur le trajet pour accélérer un peu. On vous fera entendre le bruit. Donc, bon, malheureusement, on est dans Paris. Tenter là où ça résonne, mais fais gaffe, il y a la police juste au bout. Donc ah, ça fait quand même un joli bruit. Ça c'est une belle rue où ça résonne pas mal, etc. Sans être excessif. Ouais. Ah non, c'est beaucoup pris en photo, etc. Ça c'est très cool. Les amis, j'ai juste m'arrêter de filmer en passant dans la rue parce que là il y a les là c'est l'assemblée, etc. Et j'ai pas envie de filmer. Enfin quoi que l'on remarque, là c'est bon, ils font autre chose. Ils sont occupés. Ouais non, j'aime pas, tu sais, passer avec une caméra devant la police, ça fait tout de suite, c'est provoquant je trouve un peu, donc j'évite en fait, tout simplement, tu vois. Mais bon, on peut continuer, là tu peux aller tout droit. Donc tu me disais en fait que avant qu'on se mette sur le côté et qu'on finisse la vidéo tranquille, tu me disais en fait que réparation, c'est l'enfer. Ah, c'est terrible, c'est des pièces qui sont difficiles à trouver. Ouais. Niveau carrosserie, c'est que de la fibre, donc c'est tout de suite très compliqué. Ouais. Niveau peinture, niveau collage, c'est tout collé. Et donc ça revient vite, super cher, c'est super long à réparer. D'accord, tu m'expliquais un peu l'histoire du pont, tu peux me la re-expliquer. Alors, le pont, c'est que c'est une voiture aussi qui est difficile à lever. Ouais. Il y a des points de levage qui sont assez complexes à trouver. Il y en a deux qui sont assez simples, qui demandent pas trop de travail. Mais pour les autres, pour vraiment la lever, il faut enlever le fond plat d'abord. Ouais. Et si tu la lèves mal, vu que tout le poids est sur l'arrière, bah ça tombe. Ça tombe de l'arrière. Là c'est tout droit. Et puis la voiture qui tombe. Et puis là, ça coûte bien cher à refaire. Là c'est la merde. Voilà, c'est d'accord. Terrible. Très bien. Bon. Et prochain achat en vue ou pour l'instant t'es très bien? Non, pour l'instant ça me va bien. Là ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Ouais. Je la découvre encore. Ah oui, d'accord. Je la découvre encore, je suis encore en train de la découvrir. Tu te fais des frayeurs parfois? Alors, je m'en suis pas encore fait, je pensais me faire beaucoup de frayeurs avec justement. Ouais. Vu que beaucoup du poids, tout le poids est sur l'arrière, je pensais d'accord. que ça allait être difficile à rattraper. Okay. Sauf que même sur du gras et quand ça glisse un peu, on arrive facilement à la rattraper, on arrive facilement très bonne à la mettre en dérive. Donc ouais, c'est comme un petit karting. D'accord, très bien. Bon. Bah en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes me voir aujourd'hui. Ah bah moi aussi, et nickel. Puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Tu peux repasser me voir quand tu veux. Les amis, je vous rappelle, le concept est simple. Vous voulez que je présente votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Et sinon, pour le reste, il y a Instagram Akram Junior, Facebook Akram OG Junior et Snapchat Akram Junior. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée. Et moi, restez encore 2-3 minutes. Je vais... pas présenté du tout, mais au moins vous donner un aperçu de la nouvelle voiture que je suis en train d'aller récupérer. Bonne journée. Bon la famille, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Là, je viens de récupérer ma bagnole. Je suis en train de rentrer à la maison tranquille. Je vous referai une petite vidéo, évidemment, pour vous la présenter de fond en comble. Et voilà, je vous garantis pas de quand. Puisque comme vous le savez, je fais d'abord passer mes abonnés. Parce que c'est plus important pour moi de montrer un peu, faire découvrir les abonnés leur voiture, leur passion, ce qu'ils pensent de leur voiture perso. Et de temps en temps, je mets une des miennes, voilà, comme je l'avais dit. Beaucoup ont reconnu la marque. Maintenant, si vous savez de quel modèle il s'agit, vous me le dites en commentaire. On verra qui a raison. Bonne soirée, la famille.